こんばんは皆さん。お元気ですか？ Je sais pas combien j'ai de retard, mais vous m'en voulez pas, hein? Y a encore des problèmes de son? Attends, on va faire les réglages ensemble. Tout en matinée. こんばんは皆さん。お元気ですか？ お元気ですか？ Comment ça va tout le monde? Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Première chose. La musique de fond, c'est secondaire. Déjà, est-ce que là, au niveau de ma voix, le casque, c'est toujours OK? Est-ce que ça passe? Ah, daijoubu. Daijoubu, daijoubu. Et la musique de fond, je l'ai mis comme d'habitude. Est-ce que les réglages sont OK? On va commencer par ça. Et bien évidemment, dès que je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans le chat, s'il vous plaît. Coucou tout le monde, je suis contente de vous revoir. Ça va pour le son? Et il y a des petits Naruto. Yay! 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 Super! Comment ça va tout le monde? Ogenki desu ka? Est-ce que vous êtes en forme pour faire un petit peu de kanji aujourd'hui? Genki? Genki janai? Genki? Doti doti? Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi. Genki desu? Punaise-san, il est genki desu. Saku, elle est pas genki? Oignon, on t'envoie encore du lave, Saku! Et Yukiwi qui est déter pour les candies. Oui! Bonjour à vous aussi, Kadi Phantom, Kansese. Et bonjour le chat, coucou Zen Attitude, comment tu vas? Genki? Alors, je rattrape vos messages. Je crois avoir vu des petites choses et je dois déjà souhaiter la bienvenue à Smile Katto. Smile Katto-san! Bienvenue sur la chaîne, merci à toi d'être présent aujourd'hui, je ne sais pas si tu es encore là, mais bienvenue parmi nous. Il fait beau ici, ben, chez nous il fait beau aussi, comme vous pouvez voir à la blancheur, à la luminescence des vitres derrière. Il fait beau, ciel bleu, pas de nuages, je suis pas sortie. Ah si si, j'ai rien dit, j'ai été faire du sport ce matin, donc je n'ai rien dit. Je suis sortie. Eh oui, je ne suis pas une no-life H24 sur le PC. Oh mince. Coucou, ça va, Yuzu? Comment vas-tu? Merci aussi pour ton message dans le chat. Comment ça va? La famille, tout ça. Tout le monde va bien? Je suis trop contente de faire les kanji. À chaque fois, j'aime bien le... Même en tant que... qu'enseignante, on va dire. Même en tant que streamer, j'aime bien vous faire le live des kanji. C'est rigolo. Voilà, je m'amuse à le faire avec vous. Pas spécialement Genki, car je suis restée dans mon incompréhension du cours d'hier. Asoka Zen Attitude, il faut que je te... Alors, sur YouTube, hein, j'en profite, hein, sur YouTube, il y a le replay de tous les cours. Mais genre, tous les cours. Depuis cette année, et les cours d'avant et tout. Et il y a un des cours, il est en lien avec les verbes. D'accord? Mais... Zen Attitude, la semaine prochaine, pour le cours de grammaire, je referai une intro à la conjugaison. Donc il faut pas... Konnichiwa! Konnichiwa, Esdorimu! Comment tu vas? Voilà, et donc il faut pas s'inquiéter. Je vais refaire des mises au point sur les choses les plus importantes. Là, ben, j'ai cru comprendre qu'il fallait revoir un petit peu rapidement, ou pas. Tout du moins qu'il fallait revoir, pour certains d'entre vous, les verbes. Donc on fera un petit récap la semaine prochaine, d'accord? Coucou tout le monde, coucou coucou, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Comme je disais, j'aime bien les cours de kanji. Je m'amuse bien à vous faire ce cours-là. Du coup, il y a la hype, vous voyez? La petite hype et tout. Du coup, il y a beaucoup de messages. Je suis en retard, je suis désolée si je ne lis pas votre message. Mais je vais essayer de rattraper, d'accord? Arigato! Mais Saku, garde tes sous! Je mets des clap 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 dans les chats! Des clap 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 pour Saku qui régale encore une fois! Merci pour le sub gift! Oh, t'as passé une mauvaise journée, Saku! Les gens, on envoie du love! Envoyez des cœurs, des labou labou dans le chat, s'il vous plaît! Pour Saku! Allez, on lui envoie du love, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Allez, allez! Arigato ne! Arigato, Saku! Moi aussi, je t'envoie des labou labou! La boule à boue à tout le monde même, ceux qui en ont besoin. On est là, vous inquiétez pas. Quoi ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh...
Ah, si toi aussi t'as pas eu le temps de faire des cornes cette semaine, tape dans tes mains. Voilà. Non, moi j'en ai fait, je peux pas taper, j'en ai fait. Désolée. Désolée, je peux pas vous joindre, me joindre à vous. Mais c'est pas grave, prenez le temps des kanji comme un temps de révision. C'est pas forcément, bah voilà, oui, vous pouvez tryhard et essayer d'avoir le meilleur score. Mais des fois, on n'a pas le temps. Je le répète, des fois, on n'a pas le temps. Et bah du coup, vous révisez aujourd'hui. Voilà, vous n'aurez pas un score de fou, mais vous aurez révisé pendant une heure et demie, les kanji. Et c'est ça qui compte. Plutôt que de sécher le cours, par exemple. Ça, c'est pire encore. C'est pire. Alors, Zen Attitude, sur Discord, envoie-moi un message. Je t'enverrai la vidéo en question, d'accord? Je vais pas pouvoir assister au cours, je vais manger dans 5-10 minutes. Ah, Kiki-san, non! Il faut manger un peu plus tôt. Je dis ça, mais il est déjà tellement tôt. T'inquiète pas, Kiki-san. Mange, et puis peut-être qu'on n'aura pas encore fini les quiz. T'inquiète pas. Et puis, dans tous les cas, c'est sûr, on n'aura pas fini le cours. Tu seras là pour au moins avoir les nouveaux, au moins. Ah, c'est pour ça, Saku. Naruhodo. Coucou, j'ai une petite question sur la chaîne YouTube. Tu as plusieurs cours numérotés, pareil, plusieurs cours numéro 1. On prend n'importe lequel où il y a des saisons de cours. Alors, sur la chaîne YouTube, bah, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit partage. Bon, normalement, vous êtes censé voir le diapo, voilà. Donc, on va faire un petit partage. Attendez, hein. Hop, que je vous présente cette chaîne YouTube, vous allez voir. Hop. Alors, attendez, petit partage d'écran. Petit partage d'écran. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Ah ouais, mais elle est trop petite. Attendez. On va faire les réglages. Alors, petite présentation de la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous avez toutes les rediffusions, toutes les rediffusions qu'il y a, comment dire, depuis que j'ai fait des cours sur Twitch, j'ai tout remis, tout, vous comprenez? Tout. Et récemment, j'ai rangé ces rediffusions par catégorie. Les catégories, ce sont les cours qui ont été faits depuis janvier. Donc cette année, c'est une nouvelle saison. Depuis janvier, il y a une nouvelle saison. Et c'est ces cours-là qui sont mis en avant dans les playlists, comme c'est les plus récents. C'est ceux que je vous conseille de consulter. Bien évidemment que tous les cours des anciennes playlists sont tout aussi valables, mais l'overlay n'était pas pareil, la qualité du stream n'était pas la même. Donc là, on est sur quelque chose de... Ça fait 2 ans que je suis sur Teach, vous voyez? Alors qu'avant, on est sur du... Je viens de débarquer, c'est trop cool, mais... J'avais pas forcément tout le matos. L'overlay, c'était pas la même chose. C'était pas la même ambiance, d'accord? Il y a un début et il y a maintenant. Et ça va encore évoluer, hein, mais voilà, vous pouvez clairement voir la différence du début et de maintenant. Et donc, ce que je vous conseille de regarder, c'est plutôt les récentes, hein. Donc, vous avez une playlist Hiragana qui est complète, une playlist Katakana qui est en cours, du coup. Là, on est la semaine prochaine, on fait le quatrième cours. On a une playlist Kanji. Donc là, il y aura un quatrième cours qui va se rajouter aujourd'hui. Et il y a la playlist grammaire, on est déjà à 11 cours. Il faut que je rajoute la dernière, mais on est déjà à 11 cours. Et il y a encore une fois les anciennes, Hiragana, Katakana, grammaire, des choses avec le Minano Nihongo, avec le Kanji Master, les Kanji, bon, vraiment, vous avez de quoi faire. Et ceux mis en avant, c'est ceux qui sont les plus récentes, d'accord? Le cours live sur les kanji, c'est une fois par semaine, c'est ça. Alors, normalement, on le fait le mardi, mais cette semaine, c'était une exception parce que j'ai pas pu faire de cours ni lundi ni mardi. Et comme les kanji, bah, vous travaillez toutes les semaines, je me voyais pas l'annuler. Je préférais garder le rythme et donc le faire aujourd'hui. Et pour ceux qui arrivent, du coup, j'en profite, mais le lundi, on fait les kana. Le mardi, on fait les kanji normalement. Le mercredi, c'est la grammaire. Et normalement, le jeudi, on fait des exercices de type JLPT5. Donc, pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Et en fait, Zen Attitude, il n'y a pas une playlist conjugaison, mais il y a une playlist grammaire. Et la grammaire, et donc la conjugaison, elle se trouve sur l'une de ces leçons. On est sur, je pense, la leçon 5 ou 6, quelque chose dans ces eaux-là, hein. Mais je te dis, envoie-moi un message sur Discord et je t'enverrai la vidéo en question si tu veux
regarder un petit peu tout ça avant de, avant le cours de la semaine prochaine, concrètement. D'accord? Donc ça, voilà. La chaîne YouTube, il y a que des replays pour le moment. Un jour, peut-être que je ferai du contenu, mais malheureusement, j'ai pas le temps, vous le savez, hein. J'ai pas mal de projets à droite à gauche. Donc, ça restera une chaîne de replay, mais c'est une chaîne de qualité, vu que les cours sont de qualité, n'est-ce pas? Je fais des clap 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 pour voir si vous appréciez, si vous appréciez mes cours. En tout cas, j'espère. S'il vous plaît. Mais voilà, petite présentation, je pense que ça sera utile à tout le monde. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et quand vous voyez une vidéo, à faire un petit like ou un petit commentaire. C'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup en réalité, surtout pour la petite chaîne que j'ai. D'accord? Ah, merci les gens. Arigato, arigato, arigato. Ça va pour ça du coup, pour la chaîne YouTube? Taijo Videska? Et donc du coup j'en profite, hein, mais je remets en place ce que je vais avoir besoin pour le petit cours d'aujourd'hui. Je pense que je peux même le faire en comme ça, je pense. Du coup, on reprend les bonnes habitudes. On commence comme d'habitude avec la date du jour. Kyo wa nanichi desu ka, minasan? Kyo wa nanichi desu ka? Petit rituel, hein, ça fait quelques semaines maintenant. Ceux qui sont en train de travailler la date, qui veulent la réviser. Kyowa nanichi desu ka? Quel jour sommes-nous aujourd'hui en japonais? Et merci pour les clap clap clap, vous êtes chaud. Coucou Rose, le mur de SNK. C'est pseudo, je valide. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, bien sûr que je veux y regarder, car depuis que je suis allée chercher hier pendant le cours, je vous ai envoyé un message privé. Ah, mais Insta, je regarde pas mes messages. Les messages des gens que je suis pas, du coup, j'irai voir, d'accord, Zen Attitude? Dès que j'ai fini, je vais le mettre sur ma to-do list. J'irai voir les messages Insta. Ça, j'y vais une fois par mois pour voir ce qui se passe dans ces messages. Et du coup, j'ai pas l'habitude d'aller regarder. On ne peut pas avoir les deux applis en même temps. Tu parles de quoi, Lily-san? Coucou Yanni-san, comment tu vas? Hi, Genki desu. Alors du coup, Rose, le mur d'SNK. Quel est ton niveau de japonais, dis-moi? Que je sache un petit peu, que j'apprenne un peu à te connaître. Alors, sur PC, il n'y a pas de souci. Sur téléphone, normalement, Twitch peut se mettre en fenêtre d'arrière-plan. Et si ça le fait pas, j'accepte que vous mettiez la réponse dans le chat, d'accord? Sur Quizlet, c'est toujours plus interactif, c'est plus amusant. Mais si vous n'y arrivez pas, vous aurez l'occasion de mettre la réponse dans le chat. Ok, Rose. Et est-ce que tu connais déjà tes kanas? Coucou Tilia. Alors, bon, du coup, très bonne réponse, hein. Kyo wa gogatsu ju ni nichi. Aujourd'hui, on est le 12 avril, date régulière. Celle-là aussi, on lui fait des petits cœurs dans le chat. On aime les dates qui ne sont pas compliquées. Hier, t'as vraiment galéré? Ah, ok. Bah, pas de soucis. Ceux qui ont du mal à, qui sont pas sur PC notamment, et qui ont du mal avec les applications, vous pourrez mettre les réponses dans le chat si vous voulez participer. Il n'y a pas de soucis. Bon, du coup, très bien pour la date. Et donc, comme d'habitude, petit cours de kanji. Donc, on va commencer avec l'évaluation, l'exercice, l'entraînement, le test, tout ce que vous voulez, sur la leçon de la semaine dernière, d'accord? Donc, le but, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique, le but de ces cours, c'est de travailler les leçons que l'on voit les semaines d'avant, à travers des petits QCM de lecture et de kanji. Mais aussi à chaque fois de voir de nouveaux kanji. Et moi, je suis à 8 kanji par semaine. Ça peut être pas assez, ça peut être trop, ça dépend des gens. Mais nous, ici, on va suivre un rythme de croisière de 8 kanji. Et donc, nous, on en reverra également 8 nouveaux. Donc, si au cas où vous ne connaissez pas du tout les kanji, pas d'inquiétude pour cette première partie, elle dure environ 20 à 30 minutes, où justement on va s'entraîner, vous allez pouvoir vous entraîner.
grâce à l'application Quizlet. Et je vais du coup vous donner le petit lien pour y accéder. Hop. Et donc Quizlet, il n'y a pas grand chose à faire à part cliquer sur le lien et mettre votre pseudo pour rentrer dans la salle que moi j'ai créée. Et vous allez avoir à chaque fois 12 questions. Donc on va faire deux séries de 12 questions. Une qui va vous demander de trouver la lecture du kanji. Et une qui va être totalement l'inverse, c'est-à-dire que vous allez partir de la lecture pour choisir le kanji. Et on est sur un QCM. Donc il y a une chance sur quatre, s'il y en a qui se disent « Ah, j'étais pas la semaine dernière, mais je connais un peu des kanjis », il faut pas hésiter à venir. On est là pour s'entraîner, pour se tester, pour ceux qui veulent voir où ils en sont. Bienveillance, hein. Du love, que du love. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à venir vous entraîner sur cette application. Voilà, je remets le lien. Et il y a Saku Kalinos qui s'installe. C'est le moment, hein, avant de lancer le premier quiz, si vous voulez chercher un petit truc à boire. Moi aujourd'hui, je suis sur une eau citronnée. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Et ensuite, eh bien, on va s'attaquer à l'entraînement de la leçon de partie 1. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on verra 8 nouveaux kanji, leçon de partie 2. Et en attendant, merci beaucoup LDZ, petit origami, une petite grue. Hein. Est-ce que quelqu'un peut faire la commande pour les compter? Je sais même plus à combien on est. On doit être à 75 grues. Je vous jure, les gens, le jour où on arrive à 1000 grues, wow, on l'aura fait ensemble. On pourrait dire qu'on l'aura fait ensemble, ce défi 1000 grues. Est-ce que ça va pour tout le monde, pour les explications, notamment pour les nouvelles personnes? Mettez-moi des petits clap, clap, clap dans le chat si vous êtes prêts. Ça y est, c'est l'heure du bac blanc, c'est ça. Version candy, ça va, ils sont faciles. Il y a pire comme bac blanc. Je vous remets quelques liens. Je vous laisse encore le temps de faire ma grue. Je vous laisse le temps de faire ma grue pour rejoindre la room si vous voulez participer. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux pour travailler les kanji. Vous pouvez être fiers de vous. C'est très bon. Il faut réviser vos kanji. Les kanji sont nos amis. Et on a mis en place une nouvelle expression, à savoir, il ne faut pas juger un kanji à son nombre de traits. Je vous encourage vivement à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, il ne faut pas juger un kanji à son nombre de traits. Et c'est vrai. Ah, du coup, il y a notre bot qui fait des clap 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 grâce à Tidialisam. Que les touristes lèvent les bras, oui. Alors, bientôt les frontières qui rouvrent, là, j'ai vu. Ah, encadré. Oh, merci beaucoup. Arigato. Merci Lina-san. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Des clap, clap, clap pour Lina-san. Je vous rejoins un peu plus tard. Je vais manger un bout. A tout à l'heure, Lina-san. Merci beaucoup pour ton resub. Du coup, deuxième mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci. Des clap, clap, clap dans le chat. Bah, Saku, en juin, ils ont prévu. Mais ça va être avec les guides touristiques, etc. Dans un premier temps, de ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est totalement officiel, les informations que j'ai pu lire. Mais ça a l'air de partir de ce style, dans cette voie-là, en tout cas. Hein. Donc, on va croiser les doigts. Moi, je veux repartir en septembre, comme je vous l'ai dit. Si je pars, ça veut dire qu'il y aura des lives Japon. Je dis ça, je dis rien. Si je pars, c'est pendant 3 semaines. Une fois par jour, il y a des lives. Vous me voyez en live tous les jours sur cette chaîne. Je suis guide, ça fonctionne. Bah, ça coûte, faut faire ton agence, hein, et puis hop, tu pars avec un groupe. Et voilà pour la petite grue. J'espère qu'elle te plaît, LUDZ2SAN. Allez, je renvoie une dernière fois les liens et je l'envoie dans 10 secondes. C'est le moment de mettre des clap, clap, clap pour se chauffer là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, 1. Et c'est parti! C'est parti! Merci beaucoup! À vous de jouer! Je fais les petits réglages pour ceux qui sont sur le stream. Alors, Oshogatsu, c'est quel kanji? A, B, C ou D? À vous de jouer, merci Marwena, merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Troisième mois d'abonnement, je te fais des clap clap clap. Les gens, si vous avez la possibilité, faites des clap 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 dans le chat. En effet, Oshogatsu, Oshogatsu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh, ma commande, elle ne fonctionne pas. Oshogatsu toa nan desu ka? Est-ce que vous avez retenu? C'est important en plus ce mot. Oshogatsu, Oshogatsu te. Et non, on ne peut pas modifier quand on misclique, faut réfléchir. Il n'y a pas de points en fonction de votre vitesse. Vous n'avez pas de points à bonus. C'est vraiment soit vous avez bon, soit vous n'avez pas bon. Donc prenez le temps de réfléchir, vous avez une 15 ou 20 secondes à chaque fois. Ah, Oshogatsu! Oshogatsu, c'est la nouvelle année. La nouvelle année. Voilà, Oshogatsu, le 1er janvier, hein, la nouvelle année. Sur des scènes. Question suivante, pour ceux qui veulent répondre dans le chat, n'hésitez pas. Raigetsu! Raigetsu, c'est quel kanji? Le A, le B, le C ou le D? Raigetsu. Raigetsu. Raigetsu to wa. Très bien! Réponse C, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Raigetsu? Alors, le test n'est pas simple à partir du moment où tu n'as pas, où vous n'avez pas participé au cours de la semaine dernière. Mais si vous avez participé la semaine dernière et que vous avez un petit peu révisé, vous êtes en capacité de le faire. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez juste être là pour apprendre des mots, en tout cas pour cette première partie. Et la deuxième partie du cours, c'est des nouveaux kanji. Donc là, vous ne serez pas perdu. Vous serez pas perdu. Sont dessinés. Raigetsu, hein, c'est le mois qui arrive, donc le mois prochain. Le mois prochain. Très bien. Rai, hein, c'est le kanji de kuru, venir, et getsu, c'est les mois, le mois, hein, donc le mois prochain. On continue. Alors, si mon deck il veut bien. Ichigatsu. Ichigatsu. Quels sont les kanji pour Ichigatsu? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Mais non, Saku, reste avec nous! On t'aime bien! Alors, ici. Parfait! Réponse C, qu'est-ce que ça veut dire? Ichigatsu. C'est ça, Rose, le mur de Senka. C'est le premier mois. Hein. Ichi, c'est un. Gatsu, c'est le mois, encore une fois. Donc, c'est janvier. Très bien, tout le monde. On continue? Okanemochi. Ah, tout est muzukashi, c'est un peu compliqué. Okane mochi no kanji wa nan desu ka? A, B, C ou D? Yukimi, tu vas au JLPT aussi? Alors, okane mochi no kanji wa nan deshou ka? Très bien, réponse A, qu'est-ce que ça veut dire? Okane mochi. Ah non, Yukimi, elle va pas au JLPT. Zanen, zanen. C'est ça, hein. Okane, c'est l'argent. Mochi, c'est le verbe motsu, avoir avec soi. Donc les personnes qui ont de l'argent, c'est les personnes riches. Okane mochi. Ah, il y a tout qui a planté, Lily. La connexion. Généralement, c'est à cause de la connexion. Donc, n'hésite pas juste à le faire dans le chat, du coup. On continue? Allez. Mon deck, tu peux y arriver. J'ai payé trop cher pour qu'il tombe en panne. Haha no hi no kanji wa nan desu ka? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ah, mais Zen Attitude, c'est comme ça qu'il faut faire dans les QCM. Hein. Non, les personnes qui ont de l'argent, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Sans dessiner, réponse C, qu'est-ce que ça veut dire? Haha no hi. Un peu compliqué à dire, il y a 3 H. Hein. Haha no hi. C'est bientôt en France, en Belgique c'est passé, mais en France c'est bientôt, fin du mois en tout cas, le jour des mamans.
Donc c'est la fête des mères, la fête des mamans. D'accord? Soro desu ne. Ja tsugi wa? Kyo. Kyo. Le kanji pour kyo. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Dou desu ka, minasan? C'est le 29 mai, exactement. J'ai réservé pour aller chez ma maman. Kyo no kanji wa nan deshou ka? Très bien. Réponse C, qu'est-ce que ça veut dire kyo? Kyo, hein. Vous l'entendez à chaque début de cours quand je vous pose la question. Kyo wa nan nichi desu ka? Très bien tout le monde. Kyo, c'est aujourd'hui. En ce qui concerne aujourd'hui, on est quel jour? Kyo wa nan nichi desu ka? Kyo wa nan nichi desu ka? Hai, sou desu ne. On continue. Question 7. Mainichi. Mainichi. No kanji wa nan deshou ka? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Kotae wa nan desu ka? Shite masu ka? Benkyou shimashita ka? Mainichi no kanji wa... Réponse A. Très bien. Qu'est-ce que c'est Mainichi? Alors faites attention, hein, du coup. La réponse C, c'est Mai Getsu, je crois. Je crois que si on dit Mai Getsu, pas Mai Gatsu, hein. Mai Getsu, c'est tous les mois. Là, Mainichi, ça sera tous les jours, chaque jour. Très bien. Ah, Maitsuki, arigato. Je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce que je disais. Maitsuki, Maitsuki. Arigato, Rin-san. Ano, gokyu nano ni ne. C'est du GPT-5, mais j'ai bugué sur ma lecture. Sumimasen. Yurushite kudasai. Yurushite kudasai. On continue. Nikki. Nikki. Nikki no kanji wa nan desu ka? Et du coup, non, c'est pas maegetsu, c'est maitsuki. Maitsuki desu ne. Nikki no kanji wa nan desu ka? Un peu compliqué celui-là aussi. Nikki. Nikki. Ah, yahoo Mayu-san, comment tu vas? Jakota Eva. Oui, très bien. Nikki, réponse C. Qu'est-ce que ça veut dire, Nikki? Avec ces kanji-là, en effet, ça a le sens de journal intime. Un journal intime. Les Japonais, ils ont cette culture du journal intime. Il y a beaucoup de Nikki très, très célèbres en littérature. Si vous en voyez des fois dans les rayons de la littérature à japonaise, n'hésitez pas. Il y a des histoires qui sont plutôt cool. On continue? Kongetsu, kongetsu no kanji wa nan desu ka? Quels sont les kanji de kongetsu? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Dou desu ka, minasan? Dou desu ka? Oui, très bien tout le monde, hein. Kongetsu, qu'est-ce que ça veut dire? À ne pas confondre du coup avec le premier, hein, Maitsuki, ce qu'on a dit juste avant. Maitsuki, hein, tous les mois. Kongetsu, très bien tout le monde, c'est ce mois-ci. Kongetsu wa, gogatsu desu ne. Ce mois-ci, on est en avril. Non, avril, mai, on est en mai. Oh, j'ai du mal à passer en mai, hein. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai avec le mois de mai cette année. Ma, shoganai ne, shoganai. Question suivante. Mizu, mizu no kanji wa nan desu ka, minasan? A, B, C, D の中から一番いいものを選んでください。Quel est le bon kanji? Les bons kanji? Le bon kanji? Les bons kanji? A, B, C ou D? それは大丈夫ですね。それは簡単ですね。Réponse B, qu'est-ce que ça veut dire? Linson qui fait de l'eau! Lui, je l'ai! Ah, il faut s'entraîner, hein, Zen Attitude, hein. C'est une question de pratique quotidienne, dirons-nous. Mon cerveau est pas si empêlé, est-ce que ça? Iné! Iné! Très bien tout le monde, c'est de l'eau, hein. Très très bien. On continue? Attendez, il y a mon stream deck qui veut pas. Hop! Question numéro 11. Hi! Hi! Sake ga nomeru, sake ga nomeru, sake ga nomeru zo! Adoshite! Sake ga nomeru, nomeru zo! Sake ga nomeru zo! Hi, kanpai, Mayu-san. De l'eau desu ne. Mizu desu. Lemon,
レモンシロップも入ってるけどね。乾杯皆さん。うん。そうですね。Très bien tout le monde. Hi, hein, c'est la lecture Kun du Candide du feu. Très bien. Réponse B, le feu qui brûle. Pourquoi tous les candides sont pas aussi faciles? Parce que sinon ça serait trop facile. C'est bizarre que des nordiques connaissent les candides de l'eau, ils en boivent jamais, mais si. Mais moi je bois beaucoup d'eau. Et l'eau il mouille, exactement. Dernière question pour ce quiz. Non, kanji wa nan desu ka? Quels sont les kanji pour le mot A, B, C, D. No naka kara ichiban ii mono o erande ne. Quelle est la bonne réponse selon vous? Kotai wa nan deshou ka? Oui, très bien tout le monde. Qu'est-ce que c'est si B wa nan desu ka? Ah, bien joué Sunlight, la déduction. Toi-même, tu sais très bien Tilia et Lisan, même logique. C'est que vous connaissez vos lectures, ça c'est très bien. Et le deuxième, je comprends. C'est pas l'un des premiers kanji qu'on voit. Hein. En effet, si, yeah, c'est la natation. Le sport, la piscine, la natation, tout simplement. Si, et dessiné, si, et. Et on arrive du coup à la fin de ce premier quiz, hein. On en va en faire deux. Et je pense que vous pouvez vous clap 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 dans le chat, vous avez l'air d'avoir tous très bien révisé, tout du moins un très bon sens de la déduction. GG à Sunlight, Savage Yuzu, à Emma et à Gugeo pour le top 1, GG. En deuxième position, Yukimi Nobuta, Aebe-san, LDZ, Marwena, GG à vous également. Et en troisième, Zazu-san. Otsukare-sama! Bien joué tout le monde! Vous pouvez être fiers de vous! Et donc, du coup, ici, le tout premier qu'on a fait, c'était le plus compliqué apparemment. Retenez, hein, au shogatsu, c'est la nouvelle année. D'accord? La nouvelle année. Et bien joué, Smiley-san! Si c'est une première, c'est génial, hein! C'est super même! Je m'en sors par élimination grâce à la lecture, mais j'ai pas toutes les traductions. Ça, c'est pas grave, Yuzu, c'est une question d'habitude, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ça, mais si vous ne faites que 5 minutes, c'est déjà ça de prix. Et il vaut mieux faire 5 minutes que pas du tout. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai l'habitude de vous dire. Et ou au pire, prendre ce cours comme de la révision. C'est, voilà. Si vous venez au cours, vous êtes sûr au moins une fois par semaine, vous faites des candies. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien du tout. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez fiers de vous, même si vous avez à peine la moyenne ou si vous en avez trouvé qu'un, c'est déjà un que vous avez eu. Il faut être fier même des petites choses, d'accord? En tout cas, moi, je vous encourage à être fiers de vous. Et vous, y a de quoi, tout le monde n'est pas là à 7h sur cette chaîne à faire des candies. Donc je veux des clap 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 pour vous dans le chat, hein. S'il vous plaît. Il est horrible, au shogatsu, mais bon, life is life. Il y a pire, franchement, il y a pire. Si je fais que 5 minutes, 2 minutes après, tout est oublié. Ouais, mais si tu fais 5 minutes tous les jours, ça rentre à un moment donné. C'est long, c'est lent, mais ça va rentrer. Merci beaucoup. Les gens, il y a un raid. Je mets des clap 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 dans les chats, des clap 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 pour Amon-san. Merci beaucoup, bienvenue les raiders. Leda-san, ah non, comment t'allez? Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre raid? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été raid, dis donc. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. On était justement à la fin du premier quiz, donc bienvenue à vous. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes attiré par l'apprentissage japonais? J'imagine que si vous faites un petit raid sur apprenons le japonais, c'est que oui. Il n'y a que moi qui écris tout dans un cahier comme une tarée. Non, il n'y a pas que toi, Rose, ça. Il n'y a pas que toi. Nani? Arigato! Merci beaucoup, Dodo Atto-san! Je veux des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour ce petit prime! Mais merci! Et je veux un petit SO, les modos, un petit SO pour Amon-san.
Hello, hello, on faisait du géoguesseur tranquillou, et puis je me souviens que tu m'avais raid un jour, donc... Ah, Soka ! En fait, je raid tout le monde à la fin de mes lives, et du coup, des fois, j'oublie qui je raid. Du coup, bah merci d'avoir rendu là pareil, ça fait super plaisir. C'est très gentil, merci beaucoup. Arigato, ne ? Arigato ! Géoguesseur, ah là là, on en a fait des géoguesseurs sur cette chaîne. Hein. Un jour, on en refera, promis. Un jour, on fera des lives chill, et on fera du géoguesseur. Et du coup, bah, bienvenue à tous ceux qui arrivent grâce à ce raid. Et n'hésitez pas à lâcher un petit follow à notre Pi... Ah non... Alors du coup, je t'appelle Amo parce que c'est plus simple, mais c'est Pisces Amo ? C'est ça ? On s'est perdu sur l'île de Nijima, c'était rigolo. Ah, son cas, c'est de quel côté, Nijima ? Amo, c'est le plus évident, bah oui. Ils sont dessinés. Il fait quoi le modo ? Maillot, tu te fais avoir à chaque fois, c'est pub. Je vais changer, je vais mettre SO. Promis, je vais changer, je vais mettre SO. Les gens, n'hésitez pas à aller envoyer du love à cette personne. Elle la raid, c'est fondamentalement... Ah, j'en bug, j'en perds mes mots. C'est fondamentalement une bonne personne. Et on lâche un follow chez les bonnes personnes, évidemment. Bon bah du coup merci encore pour ce raid, et si on revient à nos moutons, à nos quizlettes, est-ce que ça va pour cette première partie? Est-ce que ça va pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé? Est-ce que vous avez des questions? Et je me répète, mais du coup retenez le mot Oshogatsu, qui veut dire la nouvelle année. C'était le plus difficile à retenir pour ceux qui participaient aux quizlettes. Ah non, mouton, il est où, Maku ? Bah oui, il est pas là, Maku. Non, Zazu-san, j'ai pas vu ta question. Attends, je remonte. Zazu-san, non, c'est mon nom, donc on est ska. Zazu-san. Donc, comment avoir la traduction des kanji sur les cartes ? Tu parles de la lecture ou le sens des mots ? Tu parles de quoi ? Si tu parles de la traduction en français, il y a Kiki-san qui a fait un deck également. Il faut que je vous reposte ça sur Discord, parce que Kiki-san, il fait des decks. Moi, si vous voulez, pour faire mes quiz, je peux pas mettre la traduction en français, parce que sinon, ces quiz-là ne sont pas réalisables. Et le sens des mots, comme on les fait pendant le live, ça fonctionne. Mais Kiki-san a fait un deck spécial pour ça. Ça veut dire quoi exactement le JLPT ? Alors le JLPT, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un diplôme qui permet d'attester de votre niveau de compréhension du japonais. Ça va du niveau 5, le plus bas, au niveau 1, le plus haut. Et là, on est en train de réviser du coup les kanji du niveau le plus bas, celui du JLPT 5. Il faut pas de compte Quizlet, il me semble. Normalement, vous avez juste à... Attendez, ça fonctionne pas ? Je vous renvoie... Ouais, c'est bien. Ah, attendez, je me suis trompée de lien. Là, normalement, vous avez le bon lien. Allez-y, go, go, go. Ah, merci pour l'heure, Lin-san, et bon appétit à toi. C'est ça, Kalinours. Il faut que... Bah, Kiki-san m'avait envoyé son lien. Hein. Donc, à un moment donné, je vais retrouver. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas, ceux qui sont là. Je vois que vous êtes... Beaucoup, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux sur cette chaîne, je vais pleurer. Merci. N'hésitez pas à faire les kanji. Je suis en train de me dire, le jeudi, on va garder les kanji. Hein. Ça a l'air d'attirer. Il y a du monde le jeudi pour faire les kanji. Il y en a plus que pour le mardi, en tout cas. N'hésitez pas à venir pratiquer, du coup. Là, cette fois-ci, on fait l'inverse. Vous allez avoir le kanji et il faut retrouver sa lecture. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Bah oui, Sunlight, c'est bien ce qui me semblait. Hein. So desene. Ah, mais c'est pour ça. Mais les gens, je vais changer. Le mardi, je vais mettre les exercices. Et le jeudi, je vais garder les kanji. Le hasard fait bien les choses, mais je me rends compte que vous êtes plus dispo pour travailler les kanji le jeudi. Donc on va rester là le jeudi. Hop, je remets une dernière fois. Mais là, ça y est, je suis en vacances, donc je suis dispo. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Otsukare sama, hein, ceux qui ont fini leurs examens. Moi, il me reste deux choses à faire. J'ai un dossier à écrire pour le 21. Et j'ai un oral à passer, mais j'ai pas encore ma date. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, bah on va faire ça alors. On change le planning, parfait. Faudrait que je change la commande. Ah là là, j'ai oublié.
De quoi, Maïeu? Le jeudi soirée étudiante, donc tous ceux qui ne sortent pas sont là. Mais on a fini là, le semestre il est fini, il n'y a plus de soirée étudiante, non? Ah là là. Mais Maïeu, tu peux pas pourrir, tu le sais. Je sais que tu connais ces candies, c'est sûr. Allez, je le lance dans 10 secondes. C'est le moment où on se re-hype, on met des clap 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 pour encourager soi-même et tout le monde. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est parti! On est parti! Première question. Ce petit candy, il se lise comment? Est-ce que c'est Hanabi, Kyo, Nikki ou Mika? Hanabi, Kyo, Nikki ou Mika?答えは何ですか? Gambatte, minasan! Owanshite agiru yo! Je vous encourage! Gambatte, gambatte!答えは? Hanabi desu! Kanpeki desu ne? C'est un sans faute pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Hanabi. Hanabi to wa nandesuka? Très littéralement, hein, on est sur le kanji de la fleur et le kanji du feu. Et tout ça donne le feu d'artifice. Que c'est beau, les kanji. Que c'est beau. Du coup, question suivante. Ce petit kanji-là, est-ce que c'est Nikki, Kazan, Nihon ou Maitsuki? Do desu ka? Shitemasu ka? Benkyou shita ka? ああ、GG クラフトさん。じゃあ、この漢字は読み方は何ですか? Quelle est la lecture de ce 漢字?うん、はい、そうですね。日記。On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? 日記。日記とは。Très bien, Zazu. On est sur le journal intime. 日記。Larson. Je valide. Le journal intime, du coup. Nikki. Parfait. Jatsugiwa. Cet ensemble de kanji, est-ce que c'est Kongetsu, Ichigatsu, Raigetsu ou Maitsuki? T'inquiète pas, Tiliya-san. Ça va venir. Nikki, c'est pas le mot le plus utilisé non plus. Hein. Non, c'était pas un piège. C'est la même playlist, hein, donc les mots. Comme c'est aléatoire, ils peuvent revenir. Très bien pour la majorité. Raigetsu, qu'est-ce que ça veut dire? Raigetsu. Raigetsu wa nandesuka? On l'a vu tout à l'heure également. Raigetsu, c'est le mois qui vient. Avec le kanji de venir, hein, le verbe kuru. Et donc, Raigetsu, le mois prochain. Excellent. On continue. C'est kanji. Est-ce que c'est Nichiyobi, Kinyobi? Sui yobi ou getsu yobi? Do desu ka? Mirai Nikki, très bon animé. Eh oui, bah oui, Mirai, hein, c'est le futur. Nikki, c'est le journal intime. En sachant ça, bah, vous avez retenu deux mots. Vive les animés, hein. Oh, perfect, presque, presque perfect. La réponse D, getsu yobi, et qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas la lune d'électricité. Sanakotonai desu ne. So desu ne, Getsuyobi, c'est lundi. Kyo wa nanyobi desu ka? Petit contrôle surprise, on est quel jour aujourd'hui? Kyo wa nanyobi desu ka? Ça donne la réponse D. So ne, so ne. Kyo wa nanyobi desu ka? Nihongo de ne, en japonais. Oh non, Kirilinka-san, ne pars pas, reste avec nous, fais des kanji. Oh, bonne soirée à toi. So desu ne, kyo wa moku yobi, hein, le jour du bois, il n'est pas proposé ici. Hein. Moku yobi. Très bien tout le monde, excellent. Hai, so desu ne. Question suivante. On va y arriver avec le stream deck. Hein. C'est kanji. Est-ce qu'ils se lisent Kase, Kazan, Kaji ou Nikki? Des bisous et du love sur tous ceux qui doivent partir. Passez une très bonne soirée. Merci d'avoir travaillé un petit peu les kanji avec nous. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Dodo qui lâche comme ça. Petite réponse.
Kasei, qu'est-ce que c'est kasei? Kasei to wa nan desu ka? Ka, c'est le kanji du feu. Et c'est l'étoile Hoshi. Donc l'étoile de feu, en fait, c'est la planète de feu. Autrement dit, la planète rouge. Autrement dit, Mars. Ça va loin, hein? Mars, la planète. D'accord? Kasei desu ne? Kasei, kasei. Question suivante. Ah, il y a mon stream deck qui déconne. Ah bah, vous voyez. Question 6. C'est kanji, est-ce que c'est Nichiyobi, Mokuyobi, Getsuyobi ou Kinyobi? Je connais pas, jamais été. Ah bon, moi non plus. Alors ici, est-ce que c'est A, B, C ou D? Hi, so desu ne. Qu'est-ce que c'est Nichiyobi? Taijoubu desu ne, sore wa. Nichiyobi, parfait, tout le monde. C'est dimanche, le jour du soleil. Nichi, hein, hi, jour, kanji, du soleil. On continue. Question numéro 7. C'est kanji, est-ce que c'est Kinyobi, Mokuyobi, Suiyobi ou Getsuyobi? Dou desu ka, minasan? Dou deshou ka? Dou desu ka, dou desu ka? Kyo desu ne? C'est aujourd'hui, hein? Réponse B. Aujourd'hui, on est jeudi. Je valide le quiz. GG, Tiliari-san. Le jour de la balade, le jour du bois, le jour de l'arbre, sont dessinés Moku Yoru. Et merci beaucoup ZGaming pour ton follow, bienvenue parmi nous. Ah non, follow shite kurete, arigatou gozaimasu, kono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Question suivante, on enchaîne, question numéro 8, si mon stream deck veut bien. C'est kanji. Ce kanji avec ce kana. Il se dit comment? Okane, kaji, okane mochi, ryōkin. Osokashi kana. J'aime bien ce genre de réponse qui, ma foi, c'est des points bonus. On prend. A, B, C ou D? Parfait, réponse A. O kane. Qu'est-ce que c'est kane, o kane? C'est ce que je reçois à chaque fois que vous faites un petit prime. N'hésitez pas au cas où, un petit prime que vous n'utilisez pas. Très bien tout le monde. L'argent. L'argent. Okane desu ne. Okane desu ne. Question suivante. Allez le deck, tu peux le faire. C'est kanji. Est-ce que c'est Nichiyobi, Mokuyobi, Kinyobi ou Suiyobi? J'ai pas Prime, j'ai Optimus. J'ai rigolé, c'est validé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, imperfect. Imperfect. C'est beau le franglish. Hein, tu enchaînes trop vite, je suis jamais prêt. J'enchaîne trop vite, c'est-à-dire... le jour de paix, exactement. Hein, Kinyobi. Kinyobi, c'est vendredi. Et oui, je rigole tout le temps. Et alors, Mayeux? Réponse C, hein. Kinyobi, le jour de l'argent, c'est le vendredi. C'est trop dessiné. Je prends un peu plus de temps, du coup, pour enchaîner, pour pas trop enchaîner, si je comprends bien. Et vendredi, tout est permis, bien sûr. Question numéro 10, si le stream deck veut bien. C'est kanji, que vous devez absolument connaître. Non, je n'ai pas la pression. Est-ce que c'est Nihon, Hanabi, Nikki ou Kazan? Ah bah oui, bah j'y peux rien, moi, Yannisan. C'est-y pas, hein? Parfait. Nihon, qu'est-ce que c'est Nihon? Quelque chose qu'on adore tous, forcément, si vous êtes là. Nihon to wa nan desu ka? Nihon wa? Nihon wa? L'Autriche. Exactement. C'est deux... Alors, même pas deux livres. Attention, Hon, c'est le compteur pour les bouteilles, par exemple. Nihon, c'est le compteur pour dire deux bouteilles.
Ici, c'est pas les bons kanji, hein, et ici c'est le Japon. Le Japon, sans dessiner, très bien tout le monde. Question numéro 11. Alors, est-ce que ici, est-ce que c'est Ichigatsu, Mainichi, Maitsuki ou Raigetsu? Kotae wa nandesuka? Je bégaye un petit peu, je vais y arriver. Je vais articuler un petit peu plus. Pas de pression, mais tous ceux qui se trompent seront ban. Aïe, 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 c'est dur, c'est dur. Très bien, hein. Maitsuki. C'était quoi, Maitsuki? Maitsuki. Même moi, je m'étais trompée tout à l'heure, hein. Je la connaissais pas, la lecture, je l'avais oubliée. Maitsuki va? Mai, c'est la répétition. Chaque tout. Et ensuite, on a le kanji du mois. Donc, tous les mois. Maitsuki. Maitsuki va. Maitsuki va. Kaimono shima. Je sais pas, je fais les courses tous les mois. Tadoebane, par exemple. La dernière. Alors, c'est kanji. Est-ce que c'est Mika, Mainichi, Kyo ou Nikki? Saigo desene. C'est la dernière question. À vous de jouer. Gambare, gambare. Yoku dekita. Saigo no da. C'est la dernière. Kotae wa? Réponse A, très bien tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Mika. Mika. Très bien. Très très bien. Troisième jour du mois. Hein. Mika. Lecture spéciale à retenir. D'accord? Mikades. C'est un chanteur. Vous pouvez dire que Mika, il est né le 3, hein, ça marche. Hein. Mika, il y a juste un petit sou en plus, hein, mais le chanteur Mika est né le 3 et hop, vous l'avez retenu. Je suis sûre, tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous l'aurez. C'est bon, genre vous l'avez retenu. Non, ne t'inquiète pas, LDZ. Prends le temps qu'il faut et si tu as du mal, s'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, ça veut juste dire qu'il faut que tu travaille un peu plus. C'est surtout ça, que tu prennes le temps de le faire plus souvent. Et plus tu vas le faire, plus ça va te paraître facile. D'accord? C'est pas une catastrophe, c'est juste que il manque un petit peu d'entraînement. C'est juste ça. Et ça, c'est une question de prendre son temps et de se poser et d'en faire un petit peu le plus souvent possible. Il chantait Future Époque, c'est ça. Je prends une photo du score et je l'encadre. Asoka. Alors du coup, félicitations à Luc, Yukimi, Sennight et Emma pour le top 1. Hein. Clap, clap, clap. Zazu, Sauvage, Yuzu, Marwena, Nobuta, Kyudo-Iona et Gugeo pour une deuxième place. On se calait. Et on a Tanguy et Kiki-san dessiné pour une troisième place. Vous pouvez être fiers de vous, les gens. Même ceux qui n'ont pas la moyenne, vous avez eu des bonnes réponses. Et encore une fois, moi, je suis fier de vous. Voilà. Soyez fiers de vous comme je suis fière de vous. Et donc ici, pas de mots bien compliqués. Hein. Vous avez à chaque fois eu bah, au-dessus de la moyenne. Mais vous avez eu du mal avec Maetsuki, hein, lecture spéciale. Je vous l'ai dit, même moi, je ne l'avais pas retenu. C'est pour dire. Maetsuki, tous les mois. Et il y a aussi Kase, Kase, la planète Mars. Hein, mot que l'on croise tous les jours, bien évidemment. Bien évidemment. Ne t'inquiète pas, LDZ, ça va aller. Taille, je veux. Il y a un sens qui est toujours plus facile que l'autre, hein, en fonction de votre type de révision. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est encore une fois, je vous envoie de la force et du courage pour vous entraîner le plus souvent possible. Les decks sont à votre disposition. Donc à tout moment, vous pouvez. Je vais même vous le repartager, celui-là, hein, pour ceux qui le veulent et qui ne l'ont pas. Vous pouvez le faire. Dans tous les transports en commun, vous pouvez, dès que vous êtes aux toilettes, dès que, je sais pas, moi, vous êtes dans votre lit, vous faites rien, hop, un petit Quizlet, un petit mode apprentissage, un petit mode test, par exemple, ou les jeux que vous avez, hein, il faut pas hésiter, d'accord? Ça vous sera forcément bénéfique dans votre apprentissage du japonais. Vous ne perdrez pas votre temps à utiliser cette application. Ah, bah, je pense que c'est juste les. Quand t'es au Japon, que t'as le droit au kana, je crois. Et encore, même les Japonais, ils ont un pseudo en Loromaji, donc je sais pas trop pourquoi tu y veux pas.
Et donc, Zazu, les decks, c'est Kiki-san qui les fait. Et je vais essayer de les épingler. Je ne sais pas encore où, mais je vais les épingler sur le Discord et vous faire une annonce pour que vous puissiez avoir les decks que moi je fais qui vous servent à travailler la lecture et les candies. Et Kiki-san, lui, il a fait un deck avec la lecture, le sens des mots, donc en français. Et je vais essayer de vous refaire une annonce et de vous l'épingler. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde cette petite révision de leçon 2 partie 1? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des clap clap dans le chat si vous n'avez pas de questions, si vous êtes prêts pour la partie numéro 2. Daijoubu desu ka? Mais ouais, c'est ce que je veux faire, Ezrim. On va faire un petit fil Quizlet. Pas, c'est pas bête du tout. Mais il y a une commande pour le serveur Discord. Maïeux, je pense toujours que t'es premier degré. Sans dessiner, sans dessiner. Et n'hésitez pas si vous n'êtes pas. Oui, je sais. C'est mon nouveau surnom. Sensei pas la ref et Sensei premier degré, c'est moi. C'est moi. Coucou. Bon, je vois que ça a l'air d'aller. Du coup, on va passer à la suite. Et la suite, c'est les nouveaux kanji de la semaine. Donc, on va travailler ces 8 kanji-là. Il y a un petit peu plus de traits, peut-être, que d'habitude, mais vous allez voir, comme à chaque fois, quand on décortique, hein, on voit que c'est pas si compliqué que ça. Et souvenez-vous de cette phrase que vous devez utiliser quotidiennement. Il ne faut pas juger un kanji à son nombre de traits, s'il vous plaît. J'ai dit un truc intelligent. Ma sans dessiner. Moi, j'ai fait un dossier avec les ITCC et les miennes. Sans nez, Kiki-san. Ça peut arriver même au meilleur. Sans nez. Donc ici, c'est le moment pour ceux qui ne connaissent pas trop hein, le principe de cette chaîne, de prendre de quoi écrire. Vous allez avoir l'occasion du coup de vous entraîner. Je vais prendre le temps de vous tracer les caractères, ce qui veut dire que vous aussi vous pouvez le faire. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas envoyé de PDF cette semaine. Je suis désolée, j'ai oublié tout simplement. Promis, la semaine prochaine, j'oublie pas. Promis, la semaine prochaine, j'oublie pas. Là, bah, vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon ou d'une tablette ou de votre PC. Si vous avez une tablette graphique, par exemple, c'est faisable. Sans dessiner. Et moi, du coup, j'ai mon petit pad, comme d'habitude. Je vais faire les réglages pour mon tableau blanc. Tchotomatene. Tchotomatene. Alors. On va juste regarder. Voilà, ça c'est bon. Et si je fais ça, c'est parfait. Daijoubu desu ka? Est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième partie de cours? Mettez-moi des clap, clap, clap dans le chat pour commencer les 8 nouveaux kanji. C'est beaucoup direct. Gomenne, gomenne, pardonnez-moi. Et j'en profite pour boire un petit coup parce que je suis déshydratée. Allez, c'est parti. Premier kanji. Alors, je réexplique encore une fois, hein, une fois n'est pas coutume, comment ça fonctionne des kanji. Les kanji, ça a plusieurs sens. Là, on a le sens de livre pour ce kanji ou de l'origine. Et un kanji, en plus d'avoir un à plusieurs sens, eh bien ça a plusieurs lectures. Il y a la lecture kun, la lecture japonaise, et la lecture on, la lecture sino-japonaise. Ici on a hon, bon et pan, ainsi que moto. Quand le kanji est tout seul, il se lira hon. Et tout à l'heure, on a vu l'ensemble du kanji du jour plus le kanji du livre, tout du moins de l'origine, qui se lira nihon ou Nippon. Et il me semble que j'ai déjà expliqué ça en live, mais à l'heure actuelle, on va utiliser plutôt la lecture Nihon. Ceux qui utilisent la lecture Nippon, c'est les personnes qui sont âgées, qui, au moment où cette lecture avait été proposée, ils l'ont utilisée, mais le Japon ne s'est pas prononcé sur la lecture officielle, il n'y en a pas. Les deux sont acceptés, mais c'est ce kanji-là plutôt qui va être retenu. La semaine dernière, hein, c'est ça.
Ensuite, on a du coup Ippon. Ippon, c'est un long objet, notamment une bouteille d'eau, par exemple. Une bouteille d'eau, c'est compté avec Hon. Nihon, c'est 2, Sanbon, c'est 3. Et on a également ici Nihon Go pour la langue japonaise. Et pour la lecture Kun, du coup, on a Yamamoto. Yamamoto-san, monsieur ou madame Yamamoto. D'accord? Donc généralement, on va plutôt utiliser la lecture Hon de ce kanji, hein, sauf dans le nom ici de famille, Yamamoto. Et au niveau du tracé, eh bien, rien de nouveau parce qu'on va reprendre la même base que pour le kanji de l'arbre. Hein. C'est exactement la même base. Donc, on commence avec un trait droit. Un trait droit. Un trait vertical. Donc là, on fait le kanji de 10. Puis, on fait les branches hein, sur le côté. Et enfin, on coupe notre arbre pour en faire des livres. Voilà le moyen mnémotechnique que je vous propose. Donc, vous faites un arbre et vous le coupez pour en faire des livres. D'accord? Nihongo 2 livre 5. Ah, la magie du japonais. Alors, parce que Zazu, les noms de famille, ce sont à chaque fois des exceptions au niveau de la lecture. Ce sera toujours, à quelques exceptions du coup, une lecture japonaise. On n'utilisera jamais les lectures sino-japonaises pour la lecture des noms de famille japonais. C'est vraiment une règle, on va dire. Je vous le remontre ici. C'est le moment de le tracer si vous voulez vous entraîner. Donc, on fait un 10. Les branches, ça c'est le kanji de l'arbre, et on coupe l'arbre pour en faire des livres. Ok? Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5 traits. Est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire si je suis un petit peu trop rapide. L'idéal, c'est de le tracer plusieurs fois sur une feuille, hein, si vous voulez profiter de ce cours pour pratiquer en même temps. Donc voilà pour ce premier kanji. On continue avec le kanji numéro 2. Alors celui-là, plutôt facile, hein, c'est le kanji de la personne. Il a trois lectures, Jin, Nin ou Hito. Donc quand il est tout seul, il se lira Hito, ça voudra dire la personne. Par contre, dès qu'on va parler d'une nationalité, donc, on mettra un pays plus le kanji, et cette fois-ci, il se lira Jin, comme dans Nihon Jin, la nationalité japonaise. Donc, pour français, hein, la France est furanse, vous pouvez rajouter derrière Jin, et vous obtenez la nationalité française, furanse Jin. Ensuite, pour compter les personnes, hein, lecture très spéciale pour les deux premiers, on dira Hitori, une personne, et Futari, deux personnes. On a Sannin, là du coup lecture en nin pour trois personnes. 4 c'est Yonin, 5 Gonin, 6 Rokunin, Nananin, Hachinin, Kyunin, Junin, etc. Après ça ne change pas, c'est toujours en nin. C'est juste les deux premiers, une personne et deux personnes qui ont une lecture extrêmement spéciale. Et ils vous ont rajouté ici du coup Hitoride avec la particule du moyen, hein, si je puis dire, qui veut dire tout seul. Donc par exemple, Hitoride taberu. Je mange tout seul. Hitori de aruku. Je marche tout seul. La solitude sur 20. Hitori de. Hitori de ne. Et autre lecture spéciale ici. Vous avez le kanji de grand et le kanji de la personne. Dès que vous les voyez à deux, eh bien, il faut lire ça otona. Otona. Et ça veut dire un adulte. Pour on, c'est juichi jin. Juichi jin. Juichi nin. Nin. Jin, c'est la nationalité. Nin, c'est le compteur pour les personnes. Et Hito, c'est quand il est tout seul. Ou dans les expressions comme Onna no Hito, Otoko no Hito, Ano Hito. Là, on retrouvera aussi cette lecture. Et donc, 11 personnes, c'est Juichi Nin. Juichi Nin. Et là, ils vous disent de faire bien attention à ne pas confondre avec le kanji Hairu. Il est le. Hein, ce kanji-là, il est presque pareil. Merci beaucoup, Red Mania, pour,
pour ton follow, c'est très gentil, follow je t'ai collé. Arigatou gozaimasu, konnichiwa, elle est yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà des bases en japonais? N'hésite pas à le dire dans le chat. Donc, au niveau de l'écriture, on part... Merci Saïma, à ta santé, kanpai tout le monde. Du coup, dans Naruto, Chunin, il y a un rapport avec la personne. Son dessiné, Chu, c'est le milieu. Et du coup, ça va donner... Bon, je répète ce que Saïma dit finalement. C'est la catégorie du milieu, les personnes du milieu. Chunin. Si on envoie les kanji... Alors, attendez. Mon clavier, c'est toujours la même chose. Chunin. C'est pas le kanji de la personne, par contre, il faut pas... il me semble, en tout cas, j'ai un doute sur le coup... Chunin, c'est Chunin de Nin Ninja, hein, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Mais ça peut être un moyen technique pour retenir la lecture. Mais du coup, j'ai le doute. Donc on va tout de suite aller vérifier ça sur Internet. Et en plus, je crois que c'est un vocabulaire genre super spécifique. Oui, c'est ça. Chunin, c'est le nin de Ninja. C'est pas le nin de la personne. C'est différent. Son. Et merci beaucoup Anne Dedou Besan, merci pour ton follow également. Follow je t'ai collé, arigatou gozaimasu, bienvenue sur ta chaîne. J'apprends le japonais car mon objectif est de pouvoir partir vivre au Japon avec mes potes. Ah mais c'est génial. Eh ben j'espère que cette chaîne pourra t'aider à atteindre ton objectif. Nya, arigato. Obligée de prendre mon prime parce que Mayu m'offre plus d'abo, il ne me regarde plus, je suis de tristesse. Ah, pour te réconforter, on va tous faire des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour Saïma. Merci pour ton prime, c'est super gentil. Ah, oh, et Mayu, il te regarde plus. Oh. Et c'est le même kanji pour collège, tout à fait. Tu, hein, le kanji du milieu. Tu, gakko, desene. Tu, gakko. Donc ici... Deux traits, un et deux, tout simplement. À ne pas confondre avec, du coup, Hairu. Merci beaucoup, Ego-san Eternus, pour le follow. Follow chikurete. Arigatou gozaimasu. Qu'on en tienne, allez. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc, je disais, hein, Hito, c'est le grand trait, puis le petit trait. Et pour Hairu, c'est pareil, c'est le grand trait, mais il est de l'autre sens. Comme ça. En fait, on est sur un kanji miroir. Hein. Si vous placez un miroir, bah, vous avez l'un et inversement, vous avez l'autre. J'espère aussi domo, arigatou gozaimasu. Ah, yeah, yeah. Du coup, tu connais déjà tes kanas, j'imagine, de Raide-san. Il y a une façon facile... il y a une façon simple de savoir quelle lecture de hito utiliser, par exemple, dans ninki ou ninkaku, j'imagine. Parfois, ça serait pas la même lecture de Hito. Alors, il n'y a pas une technique. Il faut juste retenir le groupe. Genre, si tu vois ce kanji-là plus un autre, il faut retenir que ça se lit comme ça. Et si c'est ce kanji-là avec encore un autre, eh ben, il faut retenir que c'est comme ça. Il y a des règles, hein, de manière générale, qui peuvent vous aider. Une lecture une lecture sino-japonaise, ça s'utilise très, très souvent avec des kanji. Genre un kanji et un autre kanji, ou plusieurs kanji les uns après les autres. Alors que la lecture japonaise, elle va plutôt s'utiliser quand le kanji sera tout seul ou quand il sera accompagné d'un kana, un hiragana généralement. Mais c'est pas toujours le cas. Donc quand vous apprenez vos kanji, de un, il faut pas apprendre les lectures bêtement, il faut toujours les associer à un mot de vocabulaire. Et plus vous allez avancer dans l'apprentissage de vos kanji, plus vous allez avoir la technique, vous allez avoir l'habitude, et plus vous allez aussi rencontrer de mots de vocabulaire qui vont utiliser les kanji que vous avez déjà vus auparavant. Et c'est en faisant en même temps cet apprentissage des kanji, et en même temps tout ce qui est grammaire, compréhension, puis lecture, hein, que vous allez réussir à mettre tout ça dans un certain ordre et retenir les lectures et retenir les combinaisons de plusieurs kanji, mais ça demande un certain temps et un certain investissement
hein. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire en une semaine. Il y a tellement de kanji à apprendre qu'il faut y aller étape par étape et vous dire tout de suite que vous ne pourrez pas retenir tous les mots d'un seul kanji, par exemple. Il y a des kanji, rien que le kanji de 1, il est avec tellement de mots qu'il faut du temps pour apprendre le vocabulaire. Donc en fait, apprendre les kanji, c'est aussi et surtout apprendre du vocabulaire. Donc ça demande forcément du temps. Trop de prononciations, en effet, c'est ça. Et il y a même des prononciations qui existent mais qui servent à rien parce qu'on les voit jamais. Donc apprenez vraiment vos kanji de manière utile. Apprenez-les que soit quand vous prenez un manuel et vous suivez l'ordre et vous apprenez le vocabulaire que vous jugez utile. Imaginons dans votre, je sais pas moi, manuel, il y a le mot marionnette. Je ne saurais même plus le dire en japonais, je l'avais appris à un moment donné. Mais marionnette, c'est pas très utile. Dans votre bouquin ou sur Internet, il y a forcément des mots qui sont plus utiles avec ce kanji. Donc pareil, n'hésitez pas toujours à remettre en question ce que l'on vous propose, ce que vous voyez, et à faire quelque chose de personnalisé. C'est votre apprentissage. C'est vous qui allez utiliser les kanji, c'est vous qui allez utiliser la langue. Donc moi, je vous encourage en tout cas à faire ça. N'hésitez pas. Vous verrez que déjà, vous aurez une meilleure approche de la langue et des choses beaucoup plus... Ningyo, c'est pas marionnette. Ningyo, c'est plutôt poupée, hein. C'est marionnette, je sais qu'il y a un mot, il y a même le théâtre de marionnettes et j'arrive plus à retrouver le mot, mais c'est pas grave. Encore une fois, marionnette, c'est pas très important à retenir. Et merci beaucoup à tous ceux qui viennent de follow, merci à SOS Danette. Qu'est-ce qu'elle a, Danette? Tu lui as fait quoi, notre Danette? Et merci à Tsuki Peine-san pour le follow. Ah non, qu'on en tienne, elle est Yonko-san, bienvenue à tous les deux sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des bases en japonais. N'hésitez pas. Voilà, donc on a un peu dévié, mais c'est important de rappeler ça, hein, surtout pour les nouvelles personnes qui se demandent un petit peu les kanji, tout ça, ça fait peur, comment qu'on fait. Prenez votre temps, mais prenez du temps aussi. On passe au troisième. Alors, ce kanji-là, c'est le kanji de maintenant. Voilà, l'instant présent. Hein. Plusieurs lectures, encore une fois. Kon, kin. Kin, c'est assez rare. Hein. Là, typiquement, c'est une lecture que on ne va pas forcément retenir dès le début de l'apprentissage. Et ensuite, on a ima. Donc, quand il est tout seul, en effet, ça sera ima, hein, maintenant. Ima. Ima wa nanji desu ka, par exemple. Maintenant, il est quelle heure? Kongetsu, c'est des mots qu'on a vus juste avant. Donc, il y a du vocabulaire, vous allez vite le retenir vu qu'il est dans plusieurs decks. Hein. C'est ce mois-ci. Kyo, lecture super spéciale. Donc là, faites attention. Le kanji de maintenant et le kanji du jour ou du soleil, ça se lira kyo. Et ça voudra dire aujourd'hui. Komban, c'est cette nuit. Konshu, cette semaine. Kotoshi, cette année. Kesa, encore une fois, ici, lecture spéciale, ce matin, et Kondo, la prochaine fois. Hein. Kondo, Kondone, Kondo Aone. Donc, année, on se voit la prochaine fois, ou ce genre de choses. Ah, bye bye, Rafo Nisan. Merci d'être passé. J'espère que tu auras appris des choses. Oui, Ningyo, ça peut être une marionnette, mais il y a un mot spécifique pour marionnette, au-delà de Ningyo. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. So desu ne. Donc voilà pour ce kanji. Et donc là, vous voyez hein, au niveau de l'illustration, Ima nani shiteru no? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Iede la 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 to utatteiru no? Je suis en train de chanter la 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 dans la maison. Et donc vous avez le toit de la maison et le katakana ra qui peut être un bon moyen technique pour le retenir. Et donc ici, si je vous le trace, du coup, on est sur un caractère à 4 traits. Alors attendez. Voilà. On va commencer par le toit qui est en deux traits. Hein. Il y a deux pans, donc il y a deux traits pour un toit. Un et deux. Et en dessous, bah, on fait le la. Du coup, on est sur du quatre traits. Je vous remontre ça. Un, deux, trois et quatre. T'es mal à taille du la. Son nez. Bunaku. Y a. Alors, je pense pas que ce soit bunaku ni no. No, je sais que c'est des formes de théâtre, hein, le théâtre no, le théâtre bunaku. C'est bunaku juste pour les marionnettes? Je pense que j'avais un autre mot en tête, mais c'est peut-être ça. Hein.
Mané, mané. Je vous le remonte une dernière fois, celui-là. On fait le toi, hein. Un, deux, et le là. Et ça, c'est Ima. Ima, dessiné. Ima, maintenant. Ima. Voilà. Du coup, kanji numéro 4, on est à la moitié, hein. Le kanji du temple. Donc, en lecture on, il se lira ji. Et en lecture kun, on aura soit tera, soit la dérivée hein, en dera. Donc, otera, le temple. Le mot quand il est tout seul, souvent accompagné de la particule honorifique, hein, comme on dit au sushi, au tela, hein, on va donner un peu de valeur à ce mot de comment on pourrait dire ça, de respect, de politesse, hein, toute cette idée-là. On a Yamadera, donc c'est le temple de montagne. Et ensuite, on a des noms de temples assez connus, Kiyo Mizudera et Kinkakuji. On a aussi le Ginkakuji qui existe. Ce sont des temples qui sont vraiment très prisés par les touristes. Moi-même, j'y suis allée. Le Kiyo Mizudera, j'étais un peu triste parce que c'était en rénovation. Et normalement, quand vous allez dans ce temple, eh ben, vous avez la possibilité de monter dans un des temples en fait en hauteur et de prendre une photo de la vue qui est juste magnifique. Et nous, on ne pouvait pas rentrer quand moi j'y suis allée parce que c'était en travaux. Yes. Par contre, le Kinkakuji, hein, le temple d'or, n'hésitez pas à y aller, c'est extrêmement beau. Le Ginkakuji est plutôt pas mal aussi, ils sont juste à côté, je crois que c'est à 5 ou 10 minutes de marche à peine. C'est un jour que vous y allez. Et moi, je sais que j'ai un Omamori pour les études qui vient du Kinkakuji. Voilà, bon, il date un petit peu, hein, mais il est juste là et il vient du Kinkakuji, celui-là, pour réussir les examens. Voilà. Donc, pour ce kanji, on est sur du citré. Alors, hop. Attendez, mon stream deck, pourquoi il fonctionne pas? C'est pas grave, on va le faire manuellement. Donc, citré. Tous des temples de Kyoto. Le Ginkakuji, je sais que moi j'y avais été à pied hein, pour faire les deux. Ou alors j'avais dû prendre le bus, mais c'était à un arrêt. Enfin, tu le fais l'un après l'autre généralement. De souvenirs, on l'avait fait l'un après les autres. Donc, Tera, on commence par le kanji de la terre. Ça, c'est votre première clé. Et ensuite, c'est le kanji de la mesure. Hein. Je ne sais plus exactement à combien ça fait référence, mais ça, c'est une unité de mesure en japonais qui n'est pas très utile. Mais en tout cas, ici, on a deux clés. Hein. Donc, je recommence la clé de la terre en trois traits. Et une unité de mesure japonaise que je retiens jamais le nom. Bah je vous crois. Si vous avez la mémoire plus fraîche que moi, hein, mais... Donc j'avais... Ah, alors, le Kyomizu, c'est loin. Le Kyomizu, je sais que je l'avais pas fait direct, mais le Gin et le Kin, il me semble que c'était pas si loin. Après, mes souvenirs sont un peu flous. Hein. Ça fait 2 ans. J'ai une très mauvaise mémoire des distances parcourues il y a 2 ans. Vous vous en doutez. Je vous le refais une dernière fois celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, comme d'habitude, vous faites attention à cette petite partie, hein, le hane. Vous devez bien le faire. Et moi, vous voyez, il est pas assez. Il est un peu trop rectangulaire. Ça, c'est plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Là, il est un peu mieux déjà. Après, ouais, si vous faites de la rando, une belle rando, quoi. 17 km, ça va. Ça va pour tout le monde, celui-là? On passe à la suite. Alors, le kanji de l'heure, du temps. Là, du coup, plutôt facile parce que ça mélange un kanji qu'on a vu il y a quelques semaines, le kanji du jour, et le kanji du temple, comme l'on vient de voir. Donc, il se lit soit ji, soit toki. Et donc, dès que c'est lié à l'heure, 1h, 2h, 3h, 4h, etc., on va utiliser la lecture ji. Donc ici, 1h se dira ichiji, mot que vous avez déjà vu dans les decks précédents. Hein. On a ensuite tokidoki, de temps en temps. Tokidoki. Jikan, le temps.
Ichiji kan, donc Ichiji c'est une heure, et si vous rajoutez derrière kan, ça devient une durée. Donc pendant une heure. Pendant une heure. On a lecture spéciale ensuite avec toke. Donc to, au lieu de toki, hein, c'est to plus ke pour l'horloge, la montre. On a sonotoki à ce moment-là, sonotoki. Et on a ensuite jidai, l'époque. Jidai. Sonodidae wa ne. À cette époque, tokane. Et du coup, on n'a que du vocabulaire en lien avec le temps. Voilà, l'heure, la durée, tout ça. Ce sera des choses qui seront en lien avec ce kanji. Et donc ici, on est sur un kanji à 10 traits. Mais encore une fois, ne jugeons pas un kanji à son nombre de traits, mais plutôt à son nombre de clés. Je vous l'ai dit, première clé, c'est le clé de la journée du soleil. Hein. Hi en 2, 3, 4 traits. Et ensuite, on a le kanji qu'on vient d'apprendre, le kanji du temple. Donc d'abord la clé. Ah mince, on ne voit pas. Attendez. Désolé, désolé. On recommence. Donc je disais, d'abord la clé du soleil, la clé du jour. En quatre traits, puis la clé de la terre, puis la mesure, à savoir que ça, c'est le temple, et ça, c'est le soleil. Il est horrible, mon soleil. Il est horrible. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Je vous le remontre une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est pas mal. Jidai, c'est lui qui fait du shadowing, je connais. Eh, tout condom Jidai! Ah, le pauvre. Jidai, c'était là, je suis désolée. Petite pensée pour toi quand même, hein, mais. Maïe, ça. Alors, attendez, parce que on dit ça, mais on oublie que je suis capable de faire ça. On oublie que je suis capable de faire ça. À cause de ça. Ah, oh, je suis dégoûtée. Parce qu'en soi, je dessine bien. Pour de vrai, mais pas sur ça. Coucou Daphné-san, comment tu vas? Je viens à peine d'arriver, j'entends un truc de fou, vous allez bien? Ça va et toi Daphné? Je préfère le kanji. Ma, kanji, kanji, watashi no kanji wa kirei ne. Il était bien mon kanji, je suis d'accord. Allez, on continue. Kanji numéro 6. Alors, c'est le kanji de la moitié. Il se lira soit Han, soit Naka, à savoir que Naka est une lecture que l'on utilise presque jamais. Presque jamais. Et donc là, on vous a mis samedi Han. Han, c'est 30 minutes, hein, la moitié, donc 3h30. Et Hanbun, c'est un mot qui veut dire la moitié. Hanbun o tabemashita, j'ai mangé la moitié par exemple. Hanbun o tabemashita, gohan no hanbun, j'ai mangé la moitié du repas. C'est le temple bouddhiste Pachinto. Ah oui, faites attention à ça. Hein. Tera, c'est le temple. Et Jinja, c'est le sanctuaire. Et c'est pas les mêmes religions qui sont liées. Hein. L'un, c'est le bouddhisme et l'autre, c'est le Shinto. Samedi et demi. C'est ce que j'ai dit? J'ai un gros doute sur ce que j'ai dit du coup. Bonsoir, date de Bonsoir, Aya-san! Konbanwa! Donc, ce kanji-là, je le répète, c'est le kanji de la moitié. Rien à voir avec la dynastie des Han. Sans dessiner, dynastie chinoise, hein, les Han. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour dire la demi-heure, 3h30, 4h30, 5h30, etc. Soit ici pour le mot hanbun, hein, c'est ce qui vous sera le plus utile. Et donc au niveau des traits, on est sur un kanji à 5 traits. On va commencer par les petits trucs sur le côté comme ça là. Je ne sais pas comment vous les décrire, juste vous voyez. Ensuite, on va faire un égal. Et ce égal, on va le transpercer. Voilà. Et ça, c'est han. Han. Je vous remontre ça. Parce que là, il est pas foufou, mon kanji. 1, 2, 3, 4, 5.
quelque chose de ce style. Ah ouais, les sourcils froncés, c'est pas mal ça comme technique. Genre il est pas content. Et ça, c'est sa bouche. Je sais pas ce que c'est ça, mais son nez. J'entends rien, j'entends rien. Ça devient trop bizarre. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en 5 traits. Coucou Love Manga, comment tu vas? Han Hidalgo. Iné. Merci beaucoup, Iratsu Hanta, pour ton follow au fond de la sécurité. Arigato gozaimasu, konno channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a le kanji de l'œuf et il y a le kanji de chaud, je crois. Nan no koto wa desu ka, Aya-san? Han, nani nani nani. Yomenai ne, sore wa yomenai ne, yurushite ne. Voilà, pour ce kanji. L'avant-dernier, alors celui-là c'est celui de l'épée, celui du katana, hein, d'épée japonaise. Donc soit en lecture han, ça se lira to, avec un allongement du o, soit c'est katana, mot que vous connaissez tous je pense. Hein. Donc encore une fois, quand il est tout seul, c'est katana. On a également nihon to, donc le katana, la lame, l'épée japonaise, nihon to. Et on a tan. To, donc tan, c'est le kanji de medikai, qui veut dire petit. To, c'est toujours l'épée, donc une dague, une petite, petit couteau. Tout ça rentre dans le mot de tan to. Et il vous montre ici que ça a plus ou moins la forme d'un couteau japonais. D'accord? De quoi, Mayu? Et c'est pas un katakana, faites attention, même si c'est ressemblant. Mais on peut partir de ça du coup pour partir sur un moyen mnémotechnique. Hein. Donc là, pour katana, on est sur du deux traits. 1 et 2. Et ça ressemble fortement au katakana. Ka comme katana. Hein. Et la différence, c'est seulement la partie ici qui dépasse, alors que là, elle ne dépasse pas. Donc vous pouvez avoir le moyen mnémotechnique de ce katakana-là. Mais ne vous trompez pas du coup, d'accord? Ah, Gambatte Love Manga. Seima, c'est Glock. C'est ça. Ka, c'est plutôt le kanji de Chikara, la force. Après, ça peut être un point de départ, à vous de voir. Et alors, je suis en train de me rendre compte que je voulais même pas montrer en fait. Attendez. Je vous dis regardez, regardez, mais je l'ai pas mis. Donc voilà, katana, ça ne dépasse pas. Donc ne vous trompez pas. Tu galères à faire le A. Gambatte Love Manga. Gambatte. Je vous le remonte du coup celui-là. Bon, plutôt facile normalement. 1 hein. Et 2. À ne pas confondre, en effet, comme ils disent en bas à droite, avec le kanji de la force, Chikara, qui va dépasser. Et à ne pas confondre non plus avec le katakana. Il n'est pas très bien fait mon katakana. C'est relativement la même chose. Hein. Même quand on l'écrit, le kanji est un peu plus gros que le kana, mais. C'est les mêmes traits à quelques penchements près, on va dire. Ça va pour celui-là? On passe au dernier? Alors, le dernier, pareil, on va réutiliser le kanji que l'on vient de voir et je vais retirer le tableau blanc. C'est le kanji des minutes et de comprendre, de la division. De beaucoup de mots de vocabulaire qui vous seront très utiles. Donc, dès que c'est dit aux minutes, on va utiliser la lecture fun, pun, bun, hein, ou bu, apparemment, pour certains mots. Sinon, on va utiliser la lecture wa pour les verbes liés à ce kanji. Donc, ici, go fun, hein, 5 minutes. Du pun, c'est 10 minutes, mais on a une autre lecture du coup qui se trouve juste ici, donc c'est le moment un peu complexe. Ces deux kanji-là ont deux lectures différentes qui ont du coup deux sens différents.
Soit dipun, jupun, c'est plutôt jupun qui est utilisé, hein, qui veut dire 10 minutes. Soit jubun, jubun, qui veut dire suffisant. Jubun, c'est suffisant. Donc là, faites attention, c'est votre contexte qui va vous permettre de savoir de quoi il s'agit. On a ensuite hanbun, on l'a vu tout à l'heure ce mot, hein, la moitié. Bun, ça veut dire diviser aussi, hein, donc on divise en deux, hein, donc la moitié. On a le verbe wakaru, qui veut dire comprendre. Jibun, soi-même. Kibun, le ressenti. Et wakiru, cette fois-ci, qui veut dire diviser. Et donc là, vous avez une image plutôt parlante, hein. C'est comme si on coupait un bout de bois en deux, et donc on a les deux bouts de bois avec le katana. Et si je vous le trace, du coup, ça donne un caractère à quatre traits. On commence encore une fois par les bouts de bois, hein. Ils ont été coupés par un katana. Voilà. Je dois vous laisser, je vais manger. Bonne fin de live à tous, c'est top. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Bonne soirée à tous. Merci Yukimi, bonne soirée à toi et bon appétit. Merci d'être passé. J'espère que tu auras bien révisé tes kanji avec tout ça. Même si je pense que c'est tes kanji que tu vas utiliser. Arigato! Mais merci beaucoup SOS Danette. Je veux bien te sauver du coup, mais où est-ce que t'es? Connais-tu la sainte parole de Haruhi Suzumiya? Et Shiranai Desune, je crois pas. Peut-être? Gomenasai! Yurushite ne, yurushite. Je m'appelle Sensei Palaref. Je les rêve de rien du tout. Sumimasen! Vous m'expliquez s'il vous plaît, je veux pas être ignorante toute ma vie. Ah là là. Ah, je suis trop jeune. Ah, soka. C'est venu une rêve de vieux. Ah, soka. Bon bah ça me rassure du coup de pas connaître, j'imagine. Un light novel? Naruhodo. Naruhodo. J'irai. Ça va, il n'y a pas de choses sensibles si je vais voir ça un jour sur... si je tape ça sur Google. J'ai toujours peur. Quand Saïma y connaît, je me dis... il y a Anguille sous roche. Aïe aïe aïe. Bon, pour revenir sur les kanji, est-ce que ça va pour tout le monde, ces 8 nouveaux kanji? Comme d'habitude, je vous ai créé un petit deck pour l'occasion que l'on va tout de suite aller prendre et que je vais vous repartager dans le chat pour ceux qui veulent l'avoir tout de suite, hein, profiter tant qu'à faire. Donc ça, c'est le Quizette de la leçon 2, partie 2 des kanji que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre de petits clap, clap, clap dans les chats si ça va pour vous. Et bah du coup, on va changer de jour, hein. Vous êtes super chaud pour faire des kanji le jeudi. Du coup, on va déplacer et on va mettre les cours de kanji le jeudi. Et puis ben, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Taijoubu desu ka? Si vous, ça va pour vous, n'hésitez pas à me mettre des petits clap-clap dans le chat que je vois si tout va bien. Que je puisse checker tout ça. Ça va? Kugeo-sama, daijoubu desu ne? Ça va pour tout le monde? En tout cas, sachez que je suis très fière de vous. C'est rare qu'il y ait autant de personnes qui s'investissent aussi longtemps parce que là, on est sur 1 heure et demie de cours de kanji. Donc soyez fiers de vous, j'insiste, moi je suis très 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 fière de vous en tant que sensei. Vous avez très bien travaillé, encore une fois, les kanji, c'est pas évident, mais vous verrez que si vous vous donnez un peu de temps, le plus souvent possible, vous allez vite progresser en kanji, c'est l'avantage. Et encore une fois, à choisir, privilégiez toujours votre lecture, c'est ça qui vous sera utile dans la vie de tous les jours, et quand vous pouvez, essayez de faire un peu d'écriture. Mais la priorité pour vous, c'est de savoir les lire. C'est surtout ça qui est important. Et du coup, de retenir le mot de vocabulaire qui vont avec. Et si vous arrivez à faire ça régulièrement, encore une fois, vous allez vite faire des progrès. Et il ne faut pas connaître 10 milliards de kanji pour réussir à s'en sortir au début. Donc,
Prenez un peu de temps et vous allez y arriver. Je crois en vous. Gambattene. Déjà, 1 h 30 par semaine sur cette chaîne, ça vous fera apprendre pas mal de choses, je pense. Un jour de kanji, un cours de kanji pour décompresser, d'avoir passé la journée en pingouin. T'as fait le pingouin? A pas compris. Bon, demain, j'essaie de faire la version traduite de cette liste. Ah, Gambatte Kiki-san, arigatone. Merci pour tout le monde, du coup. T'as mis un costume de pingouin? Pourquoi tu te déguises en pingouin? Dans ce Tedesca, Nanishitano. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Aïe aïe aïe. Oh non! Oh, je suis désolée. Ah non. Ah non. Ah non, ne. Ah non, c'est une scène. Ah non, ne. Ah non. Bon, t'as les deux estimations. On va faire un petit raid du coup. Ah, la bonne ambiance. Ah! Yes, Candice. Ah, bon bah, désolée, toutes mes condoléances et petits pas de pattes et des petits labos dans les chats. Voilà, pour retirer. Voilà, à sa santé. Kampai tout le monde. Et rip. Bon, sur cette. Sur ce moment, ma foi, fort. Hein? Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit raid? Dites-moi chez vous, est-ce que vous avez une petite recommandation? Si possible, quelque chose en lien avec le japonais. Sinon, juste quelqu'un que vous trouvez plutôt cool, qui mériterait d'avoir plus de vues. Malaise Sensei, bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi, un pingouin, c'est un pingouin! Faut dire un costume tout de suite! Ah oui, toujours Kiki-san, toujours! そうですね、すみませんね、すみません。許してね、今日はよく言ったけどね、許してね。Apprenons japonais! Ah, toujours du love sur toi, love manga! Dites-moi, chez qui on va faire un petit raid? Je vais regarder vite fait ce qui se passe dans Parcourir, hein, dans Just Chatting, on aime bien ça. On va regarder si on n'a pas un truc japon. Toujours cool les petits trucs japon. Japon ou japonais. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Tomodachi Club. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle des éditions collector. Hey, ils sont tout petits. Hey, les gens, venez, on va leur donner de la force. C'est bon, les gens. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça a l'air vachement cool. Ils ont l'air de faire une petite émission là. Ça m'a l'air, ma foi, pas mal. Ah, ok, ça marche. Tu me diras ça la prochaine fois. Bon, alors, on va voir Tomodachi FR. Tomodachi, hein, les amis. Ils ont le mot ami. Forcément que c'est des gens bien. C'est marrant parce qu'avec moi, tout le monde, c'est tous des gens bien. Vous êtes tous des gens bien. Vous faites des candies, vous êtes des gens bien. Vous êtes là, vous êtes des gens bien. On est tous des gens bien. Bon, on se quitte comme d'habitude sur la musique. Otsukaresama. Oui, j'ai vu qu'il y avait en live l'Enreco aussi. Mais non. On ne va pas les japoniser. Ça va. Bon, les gens, sur ce, vous pouvez encore une fois être très fiers de vous. J'espère que ce cours vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à réviser régulièrement le deck Quizlet. On se retrouve lundi pour le prochain cours de japonais sur les katakana. Voilà, n'hésitez pas à venir à 18h30, hein, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'être aussi nombreux à suivre les cours. Je vous fais des bisous et on se quitte sur la musique. En tout cas, allez, ça va, Mina-san. Vous avez très bien travaillé. On se calme. Ça m'a végétal. On se calme. Ça m'a végétal. Bonne soirée, tout le monde. Et bon appétit!